La comtesse Jeanne Dumarry. Oh, enfin. Vous savez, heureusement qu'il reste des objets comme celui-ci, parce que c'est autant un objet à admirer qu'un témoignage. Nous, les humains, avons coupé la tête de rois, de reines, d'amants, de parents, au nom de la justice, au nom de symboles et au nom de passions momentanées. Et nous, les humains, avons aussi créé le sublime et l'admirable, des temples, des palais, des monuments, des objets, des meubles et des œuvres. Et, à titre d'exemple, souvenons-nous que cette commode de Martin Carlin, si belle soit-elle, pèse dans une balance de beauté et de terreur, dans la vie d'une femme du peuple, élevée par ses charmes au rang de comtesse, la Dubarry. Et, parce que de tels objets ne sont pas faits pour être ignorés du monde, aidez-nous en partageant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne, et en attendant, arcotechnicienne, arcotechnicien, c'est parti. Cette commode conservée au musée du Louvre, c'est la commode Dubarry. Donc réalisée, assemblée par l'ébéniste Martin Carlin, livrée en 1772 dans les appartements de Madame la Comtesse à Versailles. Et ensuite transférée au pavillon de Louciennes, écrin d'amour du roi Louis XV et de sa dernière favorite, et non des moindres, Jeanne Dubarry. 84 cm de haut, 113 cm de long, 50 de large, ce sont d'élégantes proportions. C'est un petit meuble qu'on sent très léger. C'est quand même beaucoup plus petit que les grosses commodes d'apparat qu'on a déjà pu voir, et certainement plus féminin, je dirais. L'architecture de ce meuble est tout à fait symétrique, les lignes droites sont très précises et les courbes sont très bien maîtrisées. C'est-à-dire que les courbes ne sont pas trop accentuées, c'est une retenue qui est tout à fait élégante dans la forme du meuble. Et au moins dans la forme, parce que l'ornementation va nous parler de façon tout à fait différente. Et cette harmonie entre la forme et l'ornementation, c'est l'une des caractéristiques des meubles de Martin Carlin. C'est vraiment, vraiment très bien proportionné. Martin Carlin, c'est un ébéniste de la troisième génération des ébénistes parisiens. Donc Martin réalisera des meubles de transition, en gros, corps droit et pied galbé, mais aussi beaucoup de meubles de style Louis XVI, donc le goût plutôt néoclassique. Et en fait, il a su merveilleusement s'adapter dans toute la diversité de ses créations, quel que soit le style, pour les commodes, les bonheurs du jour, guéridons, petites tables volantes, desserts, serre-bijoux, et le fameux coffret à bijoux de Marie-Antoinette, par exemple. Et là, cette commode, chef-d'œuvre absolu de l'ébénisterie parisienne du XVIIIe siècle, écoutez bien. Donc c'est un meuble en chêne, évidemment, et là en dessous vous voyez les encoches qui servent à maintenir les parois verticales à l'intérieur, et on voit à l'œil que c'est un travail qui est très propre. L'intérieur est plaqué de fines feuilles de poirier noircies, et à l'extérieur on a ce magnifique bois de rose, c'est très souvent du bois de rose chez Martin Carlin, accompagné de bois d'amarant. Donc on n'a pas de motif avec les bois pour cette commode, on n'a pas de veine visible, il ne s'agit pas de détourner l'attention. Martin Carlin réalise très peu de meubles avec de la marqueterie, de façon générale, les exemples qu'on a sont absolument magnifiques, mais là, ce n'est pas l'objet d'ornementation principale. La commode est ornée de bronze doré, tout en diversité sublime, des frises, des baies, des rinceaux, des branches de feuillage, des chutes végétales, et aussi un vocabulaire déjà classique avec ses têtes de cariatides coiffées de laurier. Donc c'est soit on met beaucoup de feuilles, beaucoup de concrétion et de courbes, et c'est très rocaille, soit on ajoute vraiment des colonnes, des têtes à l'antique, et c'est plutôt néoclassique Louis XVI. Et c'est la fameuse transition. Et pour continuer sur ces bronzes, vous voyez ici une petite rose toute charmante, toute simple. Là, on sent que les agrafes sont très fines, hein, ce n'est pas épais du tout. Et là, regardez cette bordure qui alterne avec des perles, c'est tout nouveau. C'est fin et léger pour le corps du meuble et plus épais pour les pieds et le montant des arêtes des pieds. Donc Martin recouvre les parties les plus fragiles avec du bronze, évidemment. Et c'est un peu plus épais également pour le mascaron en haut et le tablier en bas. Et les têtes aux angles, ces parties sont magnifiquement bien fondues et reprises après fonte avec une qualité de ciselure absolument impressionnante. On travaille sur les mattes qui accrochent la lumière et les lisses qui la renvoient. Et donc ces bronzes ont visiblement été réalisés sur mesure car ils forment un écrin absolument parfait pour les éléments centraux. C'est ça où bien ils ont été choisis, mais alors très 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 précisément par l'ébéniste. Et en tout cas ils font penser à des bronzes du style de la qualité de Gouttière ou de Thomir, donc qui sont deux grands bronziers d'art au XVIIIe siècle, ou bien ce sont des bronzes d'un autre bronzier un peu moins connu, mais de la même époque, pourquoi pas,
tout, ils ne sont pas les seuls à très bien travailler, mais l'histoire a particulièrement retenu ces deux noms-là. La commode est couronnée d'un marbre blanc sculpté et qui suit la forme du meuble. Ce marbre est lui-même couronné d'une galerie en bronze doré et ajouré, et le meuble propose une façade à trois vantaux. Et surtout, sur les trois vantaux et sur les petits côtés du meuble, la commode est flanquée de panneaux de porcelaine tendre de la manufacture royale de Sèvres, la plus grande manufacture européenne de porcelaine au XVIIIe siècle. Et parce que c'est pas fini, sinon on parlerait pas de ce meuble, ces plaques sont parmi les plus grandes plaques de porcelaine jamais produites au XVIIIe siècle par la manufacture. Et elles ont évidemment été peintes par le plus grand peintre de la manufacture de l'époque, Charles-Nicolas Dodin, en 1765, donc bien avant la réalisation de l'ensemble de cette commode. Et Charles-Nicolas Dodin, on l'a connu notamment pour l'ornementation du vaisseau Pot-pourri de la Pompadour. Donc ce garçon, on peut dire qu'il a décoré les plus beaux objets des favorites royales. Et ces derniers éléments, donc les plaques de porcelaine, sont bien sûr les éléments sacrés de cet objet. Et si Carlin a déjà fait des meubles avec des plaques de porcelaine, des plaques qu'il a adaptées au meuble, là, c'est l'inverse. Donc, pour ces plaques-ci, c'est le meuble et tout le reste qui s'adapte. Donc, c'est un changement et surtout, ça montre la considération de l'époque pour cette matière qu'est la porcelaine. Donc, c'est une matière très noble, qui est très bien vue, très convoitée. Et donc, ces peintures représentent des scènes galantes ou des représentations de théâtre, soit issues de peintures déjà existantes, soit des créations originales de Charles-Nicolas. Donc, on commence par la gauche, par une tendre chansonnette. D'après Nicolas Lancré, c'est déjà tout un programme, ambiance un peu plus calme chez Lancré hein, que dans les scènes suivantes, comme s'il y avait en fait une sorte de progression finalement, avec un flûtiste qui nous regarde comme pour nous dire « Venez faire les coquins avec nous, on est bien. » Ici, la fraîcheur d'un ruisseau, le grand ciel, le début de soirée. Et puis la plaque sur le ressaut central, « L'agréable société », d'après une œuvre de Jean-Baptiste Pater. Donc, jolie scénette de musique. Ici, ça mate, hein, ça sent la rose, l'herbe fraîche, enfin c'est du Pater tout craché. Et autour de cette scène, on a un premier encadrement de bronze doré. Et puis, fixé par ces petites agrafes toutes fines, on a une frise également en porcelaine, peinte à l'or. Et c'est là que le bronze et l'effet bronze se mêlent. Donc c'est très joli et très intelligent. Et autour encore, on a un dernier encadrement en bronze doré et c'est absolument magnifique. C'est l'incarnation de la beauté. Vous la voyez la beauté ? Et enfin à droite pour la façade, la conversation galante, d'après Nicolas Lancré encore, ça devient un peu plus libertin. Donc, encore une fois, ambiance printemps et roucoulade. Sur les petits côtés, donc le petit côté gauche, c'est un peu plus noble. On a la comédie, tout en nature morte et en drapé, pourpre, violet, rose, vin et nuances. Et sur le petit côté droit, la tragédie, toute eh bien, en tragédie. Et ces deux images sont d'après deux tableaux de Carl van Loo. Donc bravo Charles-Nicolas pour la qualité de cette peinture. On rappelle quand même que c'est quelque chose d'extrêmement technique et pointu, parce que déjà, on fait subir une première cuisson à la pâte, 1000 degrés pour obtenir un biscuit. On va recuire pour obtenir de l'émail, 1380 degrés. On va peindre ensuite, et pour fixer ce décor peint, on recuit une troisième fois, 850 degrés. Donc c'est extrêmement compliqué, extrêmement risqué, parce qu'on risque à chaque fois de faire péter la porcelaine à chaque fois qu'on la bouge et à chaque fois qu'on la cuit. Donc oui, ça demande une technicité, une maîtrise extrêmement minutieuse et particulière qui fait qu'en France, eh bien, on sait produire des objets de luxe incomparables. Et là où Carlin est le génie, c'est qu'il intègre tous ces éléments dans un seul objet. Et le génie de Carlin, par exemple, je trouve que les petits côtés sont absolument merveilleux. Parce que regardez, Carlin fixe une plaque de bronze ornementée donc par-dessus la porcelaine et qui, en plus de s'adapter parfaitement, ce qui d'ailleurs tend à prouver cet aspect sur mesure, puisqu'on rappelle que les plaques sont plus anciennes, donc le bronze vient parer la scène elle-même. Et donc par ce bronze, la figure de la tragédie est couronnée d'un dais de drapé d'or virevoltant et le bas de la scène est souligné par superposition d'un masque d'or et le bronze est si bien ajouré qu'on voit encore les couleurs de la porcelaine en dessous
vous tel un filigrane. Et on a pareil avec la comédie. Alors ce n'est pas le même effet hein, sur le panneau central, mais on a un encadrement, on a un cadre en fait, digne des plus belles toiles. Et si on accroche des tableaux au mur, et bien ici Carlin les a accrochés sur une commode et les a même encadrés. Mais malgré ces plaques, et bien Carlin s'est aussi laissé de l'espace à son meuble. Parce que regardez là par exemple, le fait que les arêtes soient arrondies et que les bronzes ne descendent pas sur tout le montant du meuble, et bien ça nous permet à nous aussi de respirer. Et il faut savoir laisser son bois respirer. Et ça c'est beau. Et cette commode, plus on la regarde, plus on la détaille, et plus on la trouve charmante, voire excitante, et c'est pour ça que Martin Carlin, c'est le meilleur. Et en fait, Carlin s'est presque spécialisé, dès les années 1760, dans la fabrication de meubles avec incorporation, hein, souvenez-vous que ce mot il est important, incorporation de plaques de porcelaine de Sèvres dans les meubles. Et aujourd'hui, de façon générale, on peut l'associer à ça, mais c'est vraiment un maître dans l'incorporation. Ouais, incorporation, incorporation, incorporation. Souvenez-vous de ça, Carlin, c'est le meilleur, et incorporation, style transition. Donc incorporation de plaques de Sèvres, incorporation aussi de panneaux de lac du Japon, incorporation de panneaux de Pietradura. Martin Carlin, il sait tout incorporer. La porcelaine de Sèvres, c'est cher aujourd'hui, c'était déjà cher à l'époque, comme la laque, comme la Pietradura, et comme certaines essences de bois. Et un ébéniste qui travaille seul ne peut pas se payer ses matières. Surtout si c'est de la porcelaine peinte, surtout peinte par Nicolas Dodin, surtout si c'est un meuble qui doit rejoindre Versailles, surtout pour meubler les appartements de la dernière favorite royale. Donc ça demande quand même beaucoup d'argent, Carlin ne l'a pas, mais il va se faire financer. Et c'est là qu'interviennent nos marchands merciers, et notamment Simon-Philippe Poirier. Et c'est en fait ce marchand, donc Poirier, qui permet de commercialiser la mode de l'incorporation des plaques de porcelaine de Sèvres. Et on ajoutera le nom de son associé en 1772, Dominique Daguerre, mais Poirier faisait travailler Carlin bien avant cette association. Et ce qui fait la force et la survie de Martin Carlin, c'est qu'il travaille exclusivement pour les marchands merciers. Parce qu'eux, au moins, ils payent cash et pas sous forme de rente, comme les nobles ont tendance à le faire. Et donc, c'est ça qui va éviter à Carlin de mourir dans la ruine, comme la plupart des grands ébénistes qui travaillent directement pour le garde-meuble royal ou des commandes privées. Et Simon-Philippe Poirier, quand même, c'est un gars extrêmement intelligent qui sait repérer les talents, et qui a le monopole de l'utilisation des plaques de porcelaine de Sèvres sur les objets d'art et les meubles. Le monopole, ça aide. Donc repérer Carlin déjà et le faire travailler avec de la porcelaine, donc une matière à la mode et très recherchée, c'est le combo gagnant qui fait que les meubles en porcelaine, avec de la porcelaine de Sèvres vont déchaîner les passions à Versailles. Martin travaille donc pour Poirier, pour Daguerre, son associé ensuite, qui va reprendre le magasin de Poirier à sa mort. Il va aussi travailler pour les frères d'Arnaud, donc d'autres marchands. Et ces marchands lui commandent des meubles pour les personnalités les plus éminentes de la cour royale. Donc, que ce soit les filles de Louis XV, Marie-Antoinette, on l'a vu, la comtesse de Provence, l'épouse du futur Louis XVIII, ou bien pour le comte d'Artois, qui a aussi commandé un fameux secrétaire que nous avons déjà étudié à Roger van der Kroes, et un peu plus tard, donc, pour la comtesse du Barry. Donc finalement, les marchands merciers, retenez bien que ce sont eux qui instaurent les modes. Et ce sont eux aussi qui font que Martin Carlin, c'est le plus grand ébéniste de tous les temps. Donc bon, là je vais un peu trop loin, disons le plus grand ébéniste du style transition. Martin Carlin, c'était un Allemand, encore un, enfin, encore une fois, je le répète, à un moment donné, il vaut mieux se demander lequel n'était pas Allemand. Il est né à Fribourg-en-Brisson en 1730, donc c'est pas très loin de la frontière. Et quelle est sa place dans le réseau? Bien, devinez avec qui il se marie en 1759, Marie-Catherine Eubène, donc la sœur cadette de Jean-François Eubène, le grand ébéniste mécanicien du XVIIIe siècle. Je vous ai dit, je le répète, tout est lié, tout le monde est lié. Donc un mariage en 1759 à 29 ans, qui nous indique qu'il devait être à Paris depuis un peu avant cette date au moins, et qu'il a certainement commencé en tant qu'artisan libre dans l'atelier de Jean-François Eubène avant le mariage. Il devient lui-même maître ébéniste en 1766 et il s'installe, comme la majorité des ébénistes, dans le faubourg Saint-Antoine, dans un charmant atelier nommé Saint-Esprit. Donc l'enseigne de Poirier, elle livre dans les appartements de l'Attique à Versailles, les appartements de la du Barry donc, des meubles de Carlin avec plaques de Sèvres dès 1768. Et quand est-ce que Jeanne du Barry et Louis XV se rencontrent? En 1768, Martin Carlin, sponsor officiel des favorites royales.
Bon, globalement, l'entourage de Louis XV trépasse dans la décennie 1760. Les enfants, des petits-enfants. En 1764, c'est sa favorite et amie, la marquise de Pompadour. Et en 1768, c'est sa femme, la reine de France, Marie Leszinska. Et comme un vent printanier après un hiver acéré, Louis XV, 53 ans, rencontre Jeanne du Barry, 25 ans. C'est donc une histoire de sexe, mais aussi d'amour, de richesse, qui a duré 6 ans jusqu'à la mort du roi. Donc, c'était court mais intense. J'aurais pu m'arrêter là-dessus sur une note de légèreté, de frivolité, mais la vie d'un meuble ne s'arrête pas en même temps que la vie d'un roi et la vie de Jeanne du Barry non plus d'ailleurs. Après la mort du roi, Jeanne du Barry vit plusieurs péripéties. Elle n'était pas très appréciée à la cour, elle finit dans un couvent, Louis XVI finit par lui pardonner, par la gracier. C'est toute une histoire que les historiens se feront un plaisir de vous raconter. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que la commode, elle, a été agressée et qu'on aurait pu ne pas la voir dans l'état qu'elle est aujourd'hui, voire ne plus la voir du tout. Parce que dans la nuit du 10 au 11 janvier 1791, alors que la Révolution prépare le terrain de la terreur, une bande de drôles s'invite chez la comtesse Alouvienne, où tous ses meubles et tous ses biens lui avaient été restitués, et où Jeanne absente, ces petits délinquants de merde fracturent la commode de Carlin et volent les bijoux de la comtesse. C'était dans cette commode qu'elle conservait encore ses parures, ses bijoux, les diamants, les perles, les saphirs, les émeraudes et tous ses souvenirs de sa vie de presque reine. C'était il y a 20 ans, mais cette commode, c'était encore un symbole d'amour très fort pour Jeanne. La vie de recherche qu'elle lancera ensuite, l'enquête qui l'amènera jusqu'en Angleterre pour retrouver ses bijoux, le procès, tous ces événements vont malheureusement attirer l'attention sur elle. Et malheureusement, l'a menée jusqu'à la guillotine. Donc, ce sont les tristes faits, les horreurs d'une vie qui ne peuvent contrebalancer toutes les commodes Carlin du monde. Et là, je me rends compte que j'aurais peut-être dû terminer sur la note légère et frivole de tout à l'heure. Mais bon, écoutez, c'est la vie. Et voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne. C'était Nicolas pour vous servir et j'espère vous revoir très bientôt sur Arcothèque.